Thank you.
moi, mais c'est tellement drôle. À chaque fois que je dis hello, il y a vraiment Tefi qui vient. Ça va, ma Tefi? Bonjour. Comment ça va, les pinous? Salut. J'espère que votre début de semaine s'est bien passé. Viens, Tefi. Dans des genoux, il fauve. Hop. Salut Rosely, comment ça va? Vous voyez que le derrière. Comment ça se fait, la caméra? Non, la caméra n'a pas bougé. Bah, ça va. J'ai eu une journée pourrie. Enfin, la fin de journée était pourrie. J'ai des soucis professionnels. Hop. Voilà, parce que c'était un peu fort. Mais ça va. Ça va. Je suis contente d'être là. Il est déjà reparti, lui. Ça va être bien ce soir. Ça va me faire du bien. Un petit peu d'Animal Crossing. Ça va être tranquille. Et salut, Réseau Koba. Comment vas-tu? Bienvenue. Hop. Bah ça va, ça va. Franchement, j'ai une fin de journée pourrie. Pourrie, mais ça va. Ça va aller. N'importe quoi, mes cheveux. Ce soir, on se fait une petite session Animal Crossing. Ça va être cool, ça va être chill, ça va être bien. C'est ça que j'étais en train de faire. Il y a les noms qui sont complètement... Merci pour ton follow, je viens de voir que tu es un follower récent. Mais d'ailleurs, comment ça se fait que ça se décale comme ça à chaque fois? C'est pénible. Alors si moi j'ai horreur d'un truc, c'est que ça soit vraiment tout n'importe comment. Hop. C'est pas mal. Petite session Animal Crossing. Petit début de semaine hyper chill. Et une semaine très chill d'ailleurs, j'ai l'impression. D'ailleurs faut que je fasse un message à Rem. Bizarre, j'ai un peu l'impression que ça a bougé. Faut que je fasse un message à Rem. Alors, petite semaine très chill. Et très fun, je pense. Point d'exclamation. Alors, ce soir, on se fait une petite session Animal Crossing. C'est la préouverture de l'île. Vous pourrez venir d'ici... Oh oui, effectivement, ça bouge vachement. La caméra, elle est pas très stable sur mon écran. Vous pourrez venir bientôt sur l'île, les pinous. Ce soir, c'est la préouverture, donc il n'y a que les copinous qui pourront venir. Mais c'est pour me faire découvrir un peu comment ça se passe quand les gens sont sur l'île. Parce que je rappelle que c'est mon premier Animal Crossing. Donc, pas forcément évident pour moi de savoir un peu comment ça fonctionne. Et à la prochaine session, je pourrai vous accueillir sans problème. Il y aura des points de chaîne à utiliser. Je ne les ai pas encore mis, mais les récompenses, mais ça ne sera tardé. Mercredi, on va se faire du Spiritfarer. J'ai eu hésité longuement. J'ai longuement hésité. À la base, je devais faire... Merci pour ton follow, Alina. Pourquoi ça t'affiche pas, là? Faut que je mette une écriture vachement plus claire que ça. On ne voit rien. On ne voit rien. Rien du tout. Comment vas-tu, Alina? Bienvenue au terrier.
Donc j'ai hésité vraiment entre ben voilà, ça y est, ça s'affiche. Wisebox qui est en retard. Donc normalement je voulais faire du coffee talk la semaine dernière. Et puis en fait Spirit Power est très long et il va falloir vraiment que j'avance. Et ça fait un petit moment qu'on n'y a pas joué, une semaine. Donc du coup je me suis dit allez, on va continuer un petit peu Spirit Power. On continuera Coffee Talk une prochaine fois, surtout que la semaine prochaine... Qu'est-ce qu'il y a, Sophie ? Faut que je vois un petit peu ce qu'on va faire, mais j'ai envie de découvrir la mise à jour de Stardew Valley. Donc, peut-être que on fera ça jeudi. Peut-être que je mettrai un live sauvage jeudi, je sais rien. Faut que je me repose aussi, donc faut aussi que je me repose, donc ça va être compliqué. Salut Jeff, comment ça va? J'aimerais bien découvrir Stardew, mais en dehors d'un live de lundi, même s'il va falloir que je les remette, faut que je remette un créneau Stardew sur les lives de lundi. Et je me demande si on va pas faire ça lundi prochain. Et puis après, je réorganiserai de nouveau tous mes lundis. Mais j'aimerais bien finir mes jeux, enfin certains de mes jeux du lundi, avant de recommencer du Stardew. Ça va moyen. Ah, toi aussi. Donc je sais pas. Soit je teste la mise à jour de Stardew Valley cette semaine, et donc du coup j'essaye de l'inclure à un autre moment, un lundi. Soit, je sais pas. Je sais pas trop. Mais je veux faire la découverte en live et pas en hors live. J'ai l'impression de redevenir un oiseau de mauvaise augure. C'est par rapport à ton message d'hier ? Par rapport au taf. Oui, donc par rapport à ton message d'hier. Mais en même temps, tu peux pas être oiseau de mauvaise augure. Parce que c'est déjà des choses qui se disaient. Donc tu peux pas être oiseau de mauvaise augure, puisque ça a déjà eu lieu. Oiseau de mauvaise augure, c'est quand tu prédis un avenir funeste. Mais un avenir. Là, t'avais déjà des doutes sur le fait que ça n'aille pas. Non ? Je me gourre ? Non, mais c'est juste que j'ai récupéré des infos en plus avec pas full info. Ah. Et c'est pas bon du tout ? Donc en tout cas, ouais, Stardew, je sais pas trop. J'ai envie de réinclure ça dans les lundis. Dans les lives des lundis. On refera une ferme depuis le début, hein, pour Stardew. Parce que ça fait trop longtemps que je suis pas allée dessus et du coup, on va recommencer à neuf. Et du coup, quand j'en parle, bah, on me dit que ça... Quoi ? On me dit de me calmer parce que c'est pas bon pour la santé mentale des gens. Oui, non, mais d'accord. Et les gens, ils veulent en parler ou pas? Parce que concrètement, s'il y a des choses qui se passent mal au taf, des fois, il faut en parler, justement. Peut-être que eux aussi, ils ont envie d'en parler. En tout cas, voilà. Pour ce qui est de Stardew, mise à jour demain, normalement. Je pense qu'on fera une session Stardew lundi prochain. C'est quoi ce qu'il y avait prévu lundi prochain ? Kingdom Hearts. En gros, il va y avoir des licenciements. Ah merde. Mais on sait pas quand, comment. Et du coup, j'ai tendance à voir le monde en mode très sombre. Donc ça plombe le moral au taf. D'accord. Et vous n'avez pas une cellule de crise pour ça? Je sais que nous, on a une psychologue du travail. Bon, je suis pas certaine qu'elle aide beaucoup, mais... J'en étais où, moi, dans ma prog? Ils veulent licencier en mode foufou. En mode fufu, pardon.
Bah écoute, je sais pas quoi te dire. C'est désolant. En fait, c'est désolant. Là, le monde du travail, c'est un peu partout pareil, en fait, j'ai l'impression. Donc ça finira qu'en bruit de couloir. Oui, non mais à un moment donné, ça va s'accompagner de faits quand même s'il y a des licenciements. Je vais me moucher, attendez, deux petites secondes. Bah techniquement, ils vont faire passer ça par le « il a voulu partir ». Ah, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça. Si c'est licenciement, ils peuvent pas faire ça. Bref, on va pas trop parler taf. Non, voilà. Aujourd'hui, c'est on se détend. C'est Animal Crossing. Parce que moi aussi, au taf, c'est pas... Enfin, ça a pas été, donc... voilà. On est tranquillou sur un live Animal Crossing. Ça va bien se passer. Du coup, j'en étais toujours à Stardew Valley, je crois. Donc, Stardew Valley, il y a la mise à jour. Donc, demain... On fera une petite session lundi et je vais voir comment on peut l'inclure dans le calendrier dans les prochains mois. Parce que j'aimerais bien faire refaire un petit peu de Stardew Valley les lundis. Donc on va voir ça. Donc mercredi, Spiritfarer. Parce qu'il faut que j'avance le jeu. Faut vraiment qu'on... J'aimerais bien le finir en fait ce jeu. C'est pas pour cette semaine, hein. Pour le coup, c'est pas du tout pour cette semaine. Mais j'aimerais bien avancer le jeu pas mal, quand même. Vendredi... Alors, c'est là que il faut que je fasse un message à Rem. Parce que, du coup, faut que j'y pense. Normalement, on n'a pas assez de monde pour du Lethal Company encore vendredi. Donc du coup, on partirait plutôt sur la suite et fin d'Antioch, très certainement. Donc Antioch, pour rappel, c'est le jeu de rôle qu'on a commencé la semaine dernière. Enfin, c'est un jeu... Ouais, c'est un jeu de rôle, un simili-jeu de rôle. Qu'on a commencé la semaine dernière. Je vous invite, si vous voulez, vous joindre à nous vendredi. Si le live a lieu, parce que du coup, ça se trouve, ça va finir sur du Stardew Valley, parce que vu son message, j'ai peur que vendredi, je sois toute seule. Du coup, si vous voulez vous joindre à nous et si le live a lieu, je vous invite à regarder les replays sur YouTube, ou pour les abonnés, vous pouvez regarder le replay sur Twitch. Normalement, la dernière partie, vous l'aurez jeudi soir. Donc du coup, juste à temps pour pouvoir être là le vendredi soir avec nous. Stardew Multi vendredi. Bah, je sais pas. Je sais pas parce que j'aimerais bien qu'on construise la ferme du terrier. Qu'on reconstruise la ferme du terrier. Mais je... Je sais pas, Stardew en multi, ça m'a jamais tenté en multi. Je sais pas. Parce que je voulais faire du létal, mais bah finalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement. La semaine prochaine, j'ai mis du Party Animals, je crois. De mémoire. J'ai tellement fait ça à l'arrache hier soir. Donc en tout cas vendredi, je pense que non, on fera du Antioch, mais ce qu'il y a c'est que son dernier message à Rem m'a foutu un peu le doute. Bref, c'est pas grave. Et dimanche, aucune idée. Ça se trouve dimanche c'est là que je vais faire du Stardew. Parce que normalement j'aimerais bien faire, enfin commencer la construction de Foncombe. Mais faut que j'ai rangé l'atelier, c'est l'éternel problème en fait sur cette chaîne, c'est que tant que l'atelier n'est pas un minimum rangé, je ne peux pas faire grand chose en tant que loisir créatif, parce que là c'est vraiment du grand n'importe quoi, et donc du coup bah c'est toujours le même problème en fait.
Voilà pour ce qui est de la proc de la semaine. Donc tranquille. Cette semaine, entre Animal Crossing ce soir, Spiritfarer mercredi, et potentiellement Antioch vendredi. C'est assez chill, hein, Antioch, pour le coup. Et dimanche, live créatif ou pas, je pense qu'il y a moyen de faire une semaine très très chill. Et à la limite, tant mieux, parce que je vais avoir une grosse semaine et je pense que elle va être très très dure cette semaine. Ça fait du bruit, les bouteilles d'eau. Et mon siège aussi. Décidément, qu'est-ce qui grince encore ? Donc voilà, en tout cas pour ce qui est des lives de la semaine. On va pouvoir commencer parce que mine de rien, il est déjà 20h43. Animal Crossing, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup et que je peux jouer des heures et des heures et des heures et des heures. Je peux pas faire une nuit blanche, donc on va commencer tranquillou. Donc ce soir, ouverture du terrier pour les copinous. Ouverture de l'île du terrier pour les copinous. Dans un mois, nouvelle session sur Animal Crossing où là, par contre, vous aurez la possibilité d'accéder grâce à des récompenses de points de chaîne, soit que je viens sur votre île, soit que vous venez sur mon île. On limitera 3 visites par live parce que bon, bah, que j'avance un peu quand même dans la création de l'île. Mais on pourra faire 3 visites par live à peu près. Donc que ce soit visite de vos îles ou de la mienne, ça permettra de se dire, bon, 3 visites c'est bien. Et puis voilà. Donc là c'est vraiment le test ce soir. Normalement j'ai une copinette qui doit venir. Je sais pas si elle sera dans le chat uniquement ou sur Discord. Parce que du coup pour les copinous, je peux mettre le vocal Discord, il n'y a pas de problème pour les lives. Et on va pouvoir commencer. Je vais pouvoir commencer à aller cueillir mes fruits parce que ça fait un moment que je suis pas allée sur mon île la dernière fois. La dernière fois, ça devait être le jour de mon anniversaire. Donc concrètement, ça fait bien une bonne douzaine de jours, quoi. On est parti ? On va se détendre sur l'île du terrier. Ça va, mon chat ? Gizmo me refait encore, pour ceux qui étaient là hier, Gizmo me fait encore des... Il a encore son œil qui coule aujourd'hui, il faut vraiment que je surveille parce que j'ai l'impression que ça va être un peu chronique et c'est un peu chiant. Donc du coup je vais surveiller, mais il m'inquiète un peu, Spinou, hein. Vous m'excusez, je suis toujours dans les réglages micro, c'est un peu chiant. Hop, alors. C'est ça qu'il faut que je fasse aussi. Il faut que je demande à Delphine un conseil par rapport à la Switch. Alors... Je switch. On va régler le son après. J'ai moitié froid, moi, ce soir. Vous pouvez obtenir des points platine. Quoi? C'est ça que j'ai oublié de faire. Je ferai ça après. Faut que je pense. Faut que j'y pense. Il y a des fonds d'écran Nintendo et tout ça. Par contre, ma caméra, elle va pas être au bon endroit, je crois pas.
Je la connais pas, elle. Excusez-moi, le siège qui grince, c'est affolant comme c'est chiant. Je vais aller récupérer mes fruits et tout ça avant que les co... Enfin, si les copinous viennent, avant que les copinous n'arrivent. Il pleut! Bonsoir à tous, chers résidents de Lille. En ce lundi 12 mars 2024, il est actuellement 20h47 au Terrier. Je n'ai pas de grandes nouvelles pour vous aujourd'hui, mais j'aimerais vous parler d'un sujet de saison. J'ai aperçu des bambous tout à l'heure et ça m'a rappelé une anecdote que j'ai entendue. Saviez-vous que la période est propice à la récolte du jeune bambou de printemps? D'ailleurs, ça me fait penser. Le jeune bambou de printemps est idéal pour le Nagashi Somen que j'ai envoyé sur l'appli Création. Les matériaux pour réaliser ce projet ne sont disponibles qu'en cette saison. Sur ce, je retourne à mes activités afin que chaque instant que vous passez sur cette île soit enchanteur. Merci Marie! C'est bien la pluie. Alors oui, sauf que moi en ce moment, la pluie, j'ai un peu peur de la pluie. Mais c'est parce que j'ai eu plein de soucis. Avec la météo. Alors. J'ai du courrier. Conseil déco, voici un bon conseil. Essaye de rassembler... Non mais ils m'ont déjà dit ça. Mais arrêtez de me faire chier avec mes meubles. J'ai pas beaucoup de meubles là actuellement. D'ailleurs c'est pour ça que je veux faire des échanges avec des pinous. C'est que j'aimerais bien que si vous avez des meubles ou des conneries à me ramener, vous n'hésitiez pas. Mais j'ai pas assez de meubles encore pour faire de la déco. Quelqu'un s'est installé sur une parcelle que tu avais préparée. Comme Nunk Inc. et l'ingratitude, ça fait deux, nous tenons à t'offrir 1000 miles pour te remercier. Offre-toi un petit plaisir avec. Je vais aller loin avec 1000 miles. Ma chère Sarah, la neige fond au soleil comme une bougie sous sa flamme, révélant peu à peu toutes sortes de fleurs et de plantes charmantes. Cette année encore, le printemps a su soigner son entrée. La fonte me fait fondre, maman. Maman. Oui, maman. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Set de bougies. D'accord. On va ranger tout ça. Je suis contente, j'ai mes tulipes noires qui ont fleuri. Ça, c'est cool. Mais regardez-moi ce souk. C'est le bordel, ici. Regardez, j'ai tellement pas de meubles que tout est en bordel. J'ai déjà un semblant de ce que vont être les pièces, mais c'est tout le bordel. Donc c'est prévu hein, que je remette ma maison comme il faut, que je la décore comme il faut, mais il n'y a pas les meubles. Gardez-moi ça. Gardez ce bordel. Incroyable. Mon autocuiseur est par terre. J'adore quand le personnage y fait ça. Genre ça passe pas quoi. Ça passe pas de face, il faut se contorsionner dans tous les sens. Je suis assez fière de ma salle de bain. Enfin, fière. J'ai pas les meubles. En fait, c'est bien la pluie, mais à condition que je puisse attraper les poissons et tout ça,
que j'ai pas encore. D'ailleurs, je vais mettre l'appli. Comme d'hab, quoi. Faut que je mette l'appli Animal Crossing sur mon téléphone. Alors. D'abord, on va se faire une petite... un petit change. Qu'est-ce qu'on met? Il pleut, donc on met un anorak. Doudoune peut-être pas, il fait pas assez froid. J'avais un petit imperméable là que j'aimais bien. C'est pas mal ça. J'aime bien. J'aime bien cette couleur un peu, je sais pas, un petit peu lilas peut-être, gris lilas. Costume de chenille. Cagoule stérile, au secours. Tout dépend les chaussures que je mets. Bottes de pluie. J'aime bien celle-ci. Allez, adjugé. J'aurais pu changer la paire de lunettes. Voilà. Bon, maintenant qu'on est paré pour affronter la pluie, allons-y. Allons cueillir des fruits. Allons se faire un peu de fric. Ah oh bah voyez par exemple, il y a un insecte là, je vois. Il est plutôt commun, mais météo tout sauf pluie. Je vais être obligée d'aller sur des îles. C'est chiant. Bon, il y a pas mal de poissons de dispo. Bon. On va essayer d'être efficace. J'ai beaucoup trop d'arbres fruitiers. Bah, d'arbres fruitiers sur cette île. Beaucoup trop. Non! Laisse ce feu de camp tranquille! Tu remets. C'est dingue ça! Laisse ces objets là où ils sont. Oh, salut Nora! Sarah, salut, où t'étais passée? T'étais partie en vacances? Si seulement. Faut prédire quand tu t'arraches aussi longtemps, je me faisais un sang dans le Gollery. Comment ça va? Oh, on est d'humeur bavarde à ce que je vois à Gollery. Tu racontes quoi? Ouais, pas mal, t'es choupinou à faire sauter le choupinomètre avec l'imperméable goutte d'eau. En même temps, t'es choupinou à la base. Elle est trop mignonne. Alors, y a pas de quoi s'étonner, Gollery. Elle est trop chou. Non mais regardez-moi le linge, il va être tout, il est tout mouillé. À
Ah, il y a des escargots. Moi qui avais galéré à en trouver un la dernière fois. Par contre, il va être inaccessible, là, l'escargot. Ah, quoique non. Putain, mais... Ça le lave, de quoi le linge? Merde, non! Oh, j'en ai marre, les insectes, c'est pas mon truc. Hein. Oh! Je suis riche! Et cet arbre n'a rien à foutre là! Qu'on soit d'accord! Non! Mais c'est pas vrai! Remets cette barrière là où elle était! Bon sang! C'est quoi ça? Bon, on aura vu Nora. J'essaye toujours de voir un petit peu... de voir un petit peu tout le monde. Non, 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 non. Il y a une tarentule près de chez Biff. Pas y aller. Sale bête. Pas y aller. M'obligez pas à y aller. Je déteste ces bestioles. J'ai horreur de ces bestioles, putain. Prends ton filet. Bah oui, 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 je vais essayer de l'attraper, mais je déteste ces... Franchement, je les déteste, ces bestioles. J'en ai une sainte horreur. Elles me font flipper. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de VOD sur Animal Crossing. Où je hurle, mais vraiment, parce qu'il y a la tarentule qui m'attaque. Sarah, elle est dans le feu, la tarentule, putain. Mais il y a trop d'arbres, je la vois pas. Je sais pas pourquoi j'ai autant peur. C'est une tarentule dans un jeu vidéo. Parce que déjà, les guêpes dans ce jeu, elles me font hurler. Mais alors, la tarentule, c'est le pire. Putain, je la vois plus. Le pire, c'est qu'elle se cache bien. C'est ça. Madame l'araignée ? Ah. Oh, quelle sale bête. J'ai peur.
pas de quoi avoir peur, Sarah. C'est une araignée dans un jeu. Tout va bien. Quand elle se lève, je peux quand même m'approcher ou pas? Putain, l'angoisse. Non, sinon elle te fonce dessus. C'est bien ce qui me semblait. C'est comme les... C'était quoi? C'était les... Les comment? Les ratons laveurs hier? Tu te laisses attraper, hein? T'es une gentille fille, hein? Laisse attraper, hein. Ah non, mais je peux pas, c'est affreux. Merci pour le GG. C'est affreux. Franchement, ce jeu, c'est le pire truc dans le jeu, je trouve. Salut. Hé, mais c'est Sarah. Ça fait un moment que je t'avais pas croisée. Tu portes un nouveau haut, ça fait bien sortir tes biceps. Mes biceps. T'as l'air de déborder d'énergie, toi. Mais tu veux quoi au juste? Bah, on parle. On papote. Allez, c'est une nouvelle semaine. Ta gueule. C'est une nouvelle semaine d'entraînement qui démarre pour mes muscles et moi. Et pour bien commencer, muscles du tronc au boulot là-dedans. C'est rigolo ça, qu'est-ce que c'est? Oh oui, je te présente ma muse en matière de natation, c'est un éperlan. Ah, c'est le poisson que tu avais pêché. Si je continue de travailler très dur, un jour je sais que je pourrais nager sans flotteur. Ah, il l'a gardé. Il a gardé le poisson que je lui avais attrapé. Bon, je veux plus de tarentule, hein, c'est bon. On a eu la tarentule du jour. Merde. Alors, non, les noix de coco ne s'attrapent pas au filet. Et vous allez voir que je vais me faire attaquer par des guêpes au passage. Je sais pas du tout comment on fait pour attraper des guêpes. Je sais pas du tout. J'ai essayé, hein, pourtant. Hein. Mais elles m'ont toujours... Elles m'ont toujours piqué. Il y a Bernard là-dedans? Ah non. Faut que je fasse la chasse à la balourde aussi. Pour pouvoir pêcher? Quand même? Ah, là il y avait Bernard. Les bottes qui sont toujours sur la plage. On note. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur la place. Bonjour madame. Bonjour. Ticket, je me présente, je suis Ticket, la créatrice de mode. Tu as peut-être entendu parler de moi. Enfin, je suis à mon compte depuis peu, c'est un peu comme si je repartais de zéro. En ce moment, je voyage beaucoup, je regarde comment les gens sont habillés et j'y puise mon inspiration. D'ailleurs, tu pourrais peut-être m'aider avec un petit exercice de style, c'est très simple. Je vais choisir un style vestimentaire, toi tu assembles une tenue sur ce thème et tu me la montres sur toi. Tu seras dédommagé pour ta peine, bien sûr, je te donnerai un petit cadeau.
Ouais, je suis pas très féru mode moi, mais bon. Super, merci beaucoup. Allons-y alors. J'aimerais que tu me montres une tenue d'extérieur. Imagine que tu partes en randonnée ou en camping. Comment tu t'habillerais? Ça peut aussi être des vêtements dans lesquels tu es à l'aise, parfait pour un pique-nique en forêt. Je vais te donner quelque chose, comme ça tu sauras ce que j'entends par tenue d'extérieur. Un débardeur court. Par ce temps! Base-toi dessus quand tu mettras au point ta tenue d'extérieur. En cas de doute, choisis simplement quelque chose qui se marie bien avec. Essaye de faire un total look de tenue d'extérieur, comme on dit, dans le milieu de la mode. Prends ton temps, je ne bouge pas d'ici. Non mais sans deck, on va s'habiller avec un débardeur en plein printemps, en plein mois de mars, avec la pluie. Allez, go attraper froid, c'est un peu ça. Elle est très étrange la dame quand même. Elle me demande de faire des choses étranges la dame. Bah, mon pantalon de jogging, ça marche pas. Oh, c'est ça son débardeur court. Ah oui, c'est court. Petite paire de baskets là. Pas mal ça, non? Là, c'est clair qu'on attrape la crève. Hein. Par le temps qu'il fait dehors. Oh là là. Il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. Bon, puis après, on continue d'être... On continue de récupérer... Putain, je suis passée devant mon pommier sans récupérer les pommes, moi. Tout va bien. Ça va, ça? J'ai l'attention du huit. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Nora? Alors, comment ça se passe, la mission Le Terrier, capitale de la Hype Gallery? Ah oui, j'ai quelque chose qui devrait te plaire. Putain, j'en ai froid. J'ai quelque chose qui devrait te plaire. Qu'est-ce que c'est? Oh. T'as jamais rêvé de faire ton propre seau en bois? Non. Imagine un peu toute une gamme made in Le Terrier. Ah, j'y ai réfléchi déjà, Nora, effectivement. Ça serait trop classe. Ça date que j'ai pas lancé Animal Crossing, tu me donnes envie. Bah, j'ai beaucoup de gens qui me disent ça me donne envie de reprendre Animal Crossing quand je te regarde jouer. Moi, c'est mon tout premier Animal Crossing et c'est ma toute première île. Donc, c'est... Voilà, c'est... J'adore ce jeu. Je vois que tu t'es changé. Je peux jeter un œil à ta tenue? Bah oui, vas-y. Je caille, dépêche-toi. Parfait, voyons voir. Ah, intéressant. Dépêche-toi, il caille. Ça alors, que dire? Je défie quiconque de faire mieux. C'est l'essence même de la tenue d'extérieur. Ton sens du style est à la hauteur des plus grands stylistes. Je m'incline, merci. Je tiens à te remercier de m'avoir aidé. Connais-tu les tickets atelier de couture?
Un ticket te donne droit à un article d'une valeur maximale de 3000 clochettes à l'atelier de couture. Tu ne peux pas les utiliser chez Mélie et Mélo, par contre, je suis navrée, mais tu devrais trouver ton bonheur. Tu recevras mon cadeau par la poste, surveille ta boîte aux lettres. Ce n'est pas tout, prends ça aussi, veux-tu, je l'ai fait de mes propres pattes. Elle est trop canon, n'empêche, cette petite hérisson. Une casquette Maria, j'espère que tu aimes, c'est moi qui l'ai faite. Je viens de lancer ma marque de prêt-à-porter. Ce n'est pas encore connu, ça s'appelle Maria. C'est le nom que je m'étais donné quand je me suis lancée dans la mode. Mais aujourd'hui, je me fais appeler par mon vrai nom, Ticket, mais tu liras Maria, sur les étiquettes. Voilà, j'espère que je t'ai pas embrouillée. Non, ça va. Très bien, j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir, tu m'as été d'une aide précieuse. Oui, bah en attendant, on va aller chez... Ah, les doigts de fée qui sont fermés. J'ai trop tardé. J'ai trop traîné. Un escargot. Tu as été plus rapide que lui. Bon, on va se changer, hein, parce que... Putain, elle me fait froid, la gosse. Pardon. Super, tu sais à présent fabriquer un seau en bois. Trop bien. Bah je vais me changer hein, si j'ouvre l'armoire c'est pour me changer. Il caille dehors. En plus c'était trop bien avec mon petit survêt là. Merde. Allez, on est reparti. On a du taf. On a du taf, on a du taf. J'ai même pas encore ramassé la moitié des fruits qu'il y a sur l'île. Du caillou. Avant, je galérais à avoir des ressources, maintenant j'en ai trop. On en est où au niveau de l'inventaire là?
Ça se remplit vite. C'est quoi, c'est des tulipes rouges? Voilà. Encore un! Trop tard. Je me suis dit, oh, allez. Peut-être que... Mais non, trop tard. Je suis deg que les sœurs doigts de fesses soient fermées. Pas grave. Il y a trop de fruits sur cette île. Il y a trop d'arbres tout court d'ailleurs. Gaffe à l'heure pour pouvoir aller quand même dans la boutique. C'est moi où elle a changé la maison de Nora? Chez Bob. Chez qui? J'avais mis une maison ici? J'avais mis une parcelle? Elle est où la maison de Nora? Elle est plus loin? Ah oui, elle est là. C'est qui, Bob? Ah, c'est tout un travail, hein. Récupérer les fruits. Vendre les fruits. Puis alors moi, je me fais un fric fou avec les fruits parce que... chaque fois que je les mets en vente et tout, j'en ai 36 millions. Tu vas pas voir Bob, je suis curieuse de savoir qui c'est. Si. Mais je veux terminer la... Il est pas dans sa maison. Je veux juste terminer pour pouvoir aller vendre. Et puis après, je vais aller voir qui c'est. Oh, je suis très curieuse, moi. Mais j'aime bien garder le suspense. Oh, salut Léo. Dis, je pourrais te demander un service. Voilà, j'ai acheté un cadeau pour Bip. Et je me demandais si tu pouvais aller lui apporter à ma place.
Ils sont bizarres, les gens, en ce moment, sur les jeux, non? Hier, il y avait Maui qui voulait offrir des cerfs-volants. Enfin, qui voulait offrir des cerfs-volants. Il m'a demandé de fabriquer des cerfs-volants et d'aller les offrir en son nom. Et là, lui, il a acheté un cadeau et il veut que je l'amène. Je me dis que si c'est toi qui vas lui donner, il sera plus surpris que si j'y vais en personne. Qu'est-ce que tu en dis, Sarah? Bah, d'accord. Merci, je me demande si Biff sera surpris. Il est déjà tard, donc ça peut attendre demain, Lionceau. Non, non, ça va être ce soir, t'inquiète. J'ai sommeil, dis-moi ce qui t'arrive. Va donner mon cadeau à Biff et dis-lui bien que c'est de ma part. Oui, oui, je vais lui dire que c'est de ta part. Je vais lui dire que c'est de ta part, t'inquiète. Ça, il y a trop de fruits. Il faut vraiment que je fasse un verger. Ça, c'est une des choses qui est dans les... Les gens sont bizarres. On est d'accord. C'est quelque chose qui est prévu dans ce jeu pour la suite. C'est que je rassemble les arbres fruitiers parce que j'en ai beaucoup trop. Bon, cette fois-ci, toi, je t'attrape. T'es le troisième, je t'attrape. Tu as attrapé un mille pattes. Tu n'as plus qu'à lui trouver 500 paires de chaussures. Bah, y a rien. J'ai cru voir une branche pourtant. Ah, elle est derrière. Je vais me faire plein de sous avec les fruits. Bon, normalement, j'ai fini la première partie de l'île. Normalement. J'arrive, Bob. On lui offre un cadeau de bienvenue à Bob. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à vendre en ce moment? Bonjour! Sois la bienvenue à la boutique Nook, c'est un plaisir! Ils sont trop mignons ces deux-là. Sois la bienvenue, Sarah, salut, qu'est-ce qui t'amène? J'adore parce qu'à chaque fois ils disent le cours du navet, mais j'ai jamais eu de navet. Que veux-tu vendre? Ah bah, justement, pile poil, dis donc. J'avais plus de place dans l'inventaire. Débarrassez-moi de cette merde. Tu as apporté beaucoup de choses cette fois, laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Et voilà, je peux te racheter le tout pour 59 570 clochettes, qu'est-ce que t'en dis? Marché conclu. Je suis riche. Merci beaucoup, je vais mettre l'excédent de clochettes dans ton sac, ce sera plus facile à transporter. Les navets, c'est le dimanche, il y a quelqu'un qui vient sur l'île et tu peux lui en acheter un. Parce que je me disais, faut les planter, qu'est-ce qui se passe? Mais le dimanche, je joue jamais. Faudrait que je joue un peu. Ok, bon alors. Elle est jolie cette lanterne. Lanterne en papier. Bon, ils en ont qu'une en plus. Ça va. C'est raisonnable. Tu ne seras pas déçu. Merci pour tes 780 clochettes. C'est rigolo ça. Présente-toi à un magazine. On n'en a pas une quantité limitée. Tu sais, alors s'il te tente, tu devrais te décider rapidement. Allez.
fièvre acheteuse. Tu vois que tu t'intéresses à notre kitchenette en acier. On n'en a pas une quantité illimitée. Oui, d'accord, ok, tu en as qu'une, quoi. Attendez deux secondes, je vais aller faire un retrait. Parce que la boutique, elle ferme à... dans 30 minutes, mine de rien. $140 000, une kitchenette. Alors, utiliser le DAC. On y retournera après. Pousse de cèdre. Que de la merde. Je fais vraiment les poubelles, moi. Pas vrai, t'inquiète pas, j'ai pas changé, je suis toujours l'immense et modeste Mathéo. La gloire ne m'est pas montée à la tête, même s'il est difficile de rester humble quand on est moi. Quoi de neuf? Vas-y, mes oreilles sont grandes ouvertes, Nanache. Tu cherches un cadeau? Le secret, c'est de se mettre dans les baskets de la personne à qui tu veux l'offrir, puis de se demander si je s'agit de baskets en édition limitée, et si ce n'est pas le cas, en choisir d'autres. Ah là, j'ai plus de sous. C'est quoi le l'article phare du jour là, qu'on rigole? Les tabourets troncs et lâtres. Nous achetons les articles phares au double de leur prix habituel, alors profites-en. Tu voulais demander autre chose? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? Bidon métallique. Non, merci. J'ai déjà bien assez de merde dans ma maison. Et une trousse à pharmacie, pourquoi pas? 1000 clochettes, une trousse à pharmacie? Vache. Il est coloré. Oh, un parapluie pastèque. Mur motif cœur rouge. Ça, j'aime bien. Ouais, bon, ça va être tout. On va aller ranger tout ça. Salut les raccoons. Je pose mon lurk, ça marche, réseau Koba. Merci, bon lurk à toi. Alors, allons ranger tout ça.
Allons ranger toute cette merde. Faut que je cueille des lys jaunes aussi parce que je voulais faire une couronne de lys. Et je sais qu'il faut... Il faut 3 lys jaunes et j'en ai déjà 1. De soins, c'est pour dans la salle de bain. Ça va aller là. Ça va aller dans cette salle-là aussi. Oula. Devant la... Hey, Nora est là, je peux entrer. Putain, Nora, j'ai plein de choses à faire. Surprise, la pêche. On ne redécore pas sa maison quand on a de la visite. Il faut du cran pour montrer sa tanière à quelqu'un d'autre, même à une poteau. Mais t'as du bol, ton petit nid m'a tapé dans l'œil. Et t'imagines pas que je te dise juste ça, que je... parce que je suis dans tes petits papiers. J'aime vraiment ton chez-toi, Golri. Oh, ça va me gonfler. Allez. Orange. Je sais pas du tout ce que je vais faire de toute cette merde là. J'ai une livraison en plus à faire, Nora. C'est pas une heure pour venir chez les gens. Je vais pas tarder à te lâcher la grappe, je m'en voudrais d'abuser de ton hospitalité. Mais non, reste. Comment tu peux refuser une invitation pareille, Golri? Mais après, on se casse. Ah merde, j'ai gardé mon arbre. Bon, on s'en va, Nora? Allez, hop, dehors. Dehors, Nora. J'ai pas vu le temps... C'est le temps, va falloir que je m'arrache. La prochaine fois, on se retrouve chez moi. Oui, c'est ça. C'est quoi ces personnages qui s'invitent comme ça? Bon, on va aller voir Bob. Et puis après, je vais aller faire une pause. Besoin d'une pause technique. Et pause VOD, de toute façon. D'abord, on va aller donner son truc à Biff. Elle est chiante cette gamine là. C'est normal que t'arrives pas à le placer, c'est pas au bon endroit. Mon Biff. Un escargot. Encore? Tu sais, ma grande, entre faire des squats et squatter, il y a une petite différence. Surprise! Eh bien, qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour moi de la part de Léo? Je me demande bien ce que c'est. Ma foi, il n'y a qu'une façon de le savoir. Un polo à large rayures, c'est trop chouette. Oh, j'ai envie de l'essayer tout de suite. Vas-y, essaie-le. Bonne idée, ma grande, tu pourras me dire ce que tu en penses. Oh, ça lui va bien. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Ipsis? Ça te va super bien. Oh, mille merci, un compliment, ça me recharge les batteries. Dans le match du monde de la mode, je viens de subir une cuisante défaite face à Léo. Merci de t'être chargée de cette livraison, Sarah. Ma récompense sera pas à la hauteur du service que tu m'as rendu, mais voici un set de repassage. Putain, j'en ai déjà un. Que je voudrais t'offrir. J'espère que ça te plaira, Ipsis. J'adore à ce qu'ils me font plein de cadeaux, les gens, alors que j'ai rien demandé.
Le jour de mon anniversaire, je leur ai donné des cupcakes. Et ils me donnaient des cadeaux en échange, alors que c'est moi qui leur offrais des cupcakes. Bon, alors, ce Bob, c'est qui ? Toc toc ! Bonjour ! Oh, on n'a pas de cadeau de bienvenue. Encore un hippo ! Oh mais non, faut un peu de variété quand même. Bonjour. C'est quoi son caractère à lui? Oh, c'est toi, on s'était pas vu depuis jamais, puisqu'on ne s'est jamais vu en fait. Attends, mais on se connaît pas en fait. Bah voilà, c'est bien ce que je te dis. Il a quoi comme caractère lui? Merde, je me suis dit. Désolée pour la confusion, on va dire que c'est l'âge 1000. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Villageois. Merde. Il est parmi. Bob. Oh, je suis un peu deg. Je veux d'autres choses que des hippos et des... Salut Sandy, comment ça va? Versatile, formidable. Bon bah du coup, enchanté de faire ta connaissance, je m'appelle Bob. C'est ça, moi aussi. T'avais un truc à demander? Bah discutons. Tiens, on est déjà lundi. Ta gueule! T'avais hâte d'y être? Non! Même si on se sent plein d'énergie en sortant du week-end, pas du tout! Il faut se faire attention à ne pas trop se donner, sinon on risque de s'épuiser dès le milieu de la semaine. Je vais faire ma pause maintenant, Sandy. Donc si tu veux me rejoindre après ou pas, comme tu veux, en fonction de ta fatigue aussi. Je vais faire ma pause maintenant parce que j'ai besoin d'une pause technique là. À tout de suite! J'espère que tu vas bien. Je te lis en revenant. À tout de suite. Encore un hippo. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc? Allez, à tout de suite.